nous, au collège, c'est très important de développer l'éducation aux médias. On y travaille déjà depuis 2 ans avec une classe média en 3e. Donc là, c'était vraiment l'occasion de toucher un autre niveau avec la 6e et cette liaison interdegré. Et puis éventuellement, plus tard, on aimerait développer un processus sur tout le niveau, donc 6e et cycle 4 de la 5e à la 3e, pour pouvoir valider un nouveau critère du label numérique. Alors c'est des choses qui sont venues très tôt, nous, au collège, par des questionnements d'élèves par rapport aux réseaux sociaux, aux informations qu'ils découvraient sur les réseaux sociaux. Et voilà, tout un questionnement qui est arrivé à nous et auquel on ne savait pas forcément comment répondre au début. Et donc c'est pour ça que ça a développé tout un travail d'équipe pour savoir comment justement on faisait front et qu'on développait l'esprit critique et le sens critique des élèves. Alors, ce qui a été vraiment déterminant, c'est notre inscription à la classe média, puisque ça nous a permis d'entrer vraiment en partenariat avec le CLEMI, notamment Versailles, et puis d'échanger régulièrement avec notre référent académique, de pouvoir avoir accès aussi à des formations. On est allé plusieurs fois à la DAN, plusieurs fois au CLEMI, découvrir la web TV, découvrir la web radio. Et on a été reçus aussi à Radio France, et ça nous a vraiment permis d'engager ce travail en équipe. Oui, tout à fait. La ludification, c'est quelque chose qu'on travaille aussi beaucoup. Alors moi, particulièrement en langue avec Amélie Benet, on essaye beaucoup de réfléchir à ces pratiques-là puisqu'on en voit vraiment l'incidence sur les élèves et sur leur capacité d'apprentissage.